faites sur ma chaîne. Donc du coup je vais dessiner une de vos pulipes. À chaque fois je vais sélectionner 5 personnes sur Instagram et ces 5 personnes pour cette première vidéo sont quasiment toutes des amies, voilà. Donc déjà je vais dessiner Isis, si je prononce bien, de Pulip Sweet Dream. Ensuite je vais dessiner Miku de Shinobu Pulip, qui à elle je vais lui rendre en main propre. Ensuite Dexter de Emma Chandles. Hailey, je suis désolée pour la prononciation, je prononce très mal et je n'arrive pas à prononcer son prénom. La dernière fois j'avais galéré pendant 2 minutes. Donc c'est sa Prunella à Flag Doll. Et ensuite Elena de Nina So Cute. Donc j'espère que déjà vos dessins vont vous plaire, car je ne suis pas une professionnelle, je dessine car tout simplement j'aime ça. Donc voilà, je tiens aussi à préciser que la base des visages etc, ce sont des images d'internet. Voilà, je m'aide de dessins déjà créés pour faire mes dessins. Déjà j'espère que cette vidéo, ce sujet de vidéo vous plaira, et aussi par rapport aux personnes à qui je vais dessiner leur pulip, je vais vous les envoyer par courrier. Donc si vous recevez une enveloppe grande comme ça, marron, c'est de Youidols. Voilà, parce que je trouve que quand on fait un dessin, c'est toujours mieux de le donner pour que la personne le reçoit en vrai, c'est toujours mieux. Moi j'aime bien quand on dessine mes pulips, j'adore ça, mais c'est vrai que quand je reçois pas le dessin, ça me fait un petit pincement au cœur. Voilà, donc si vous recevez une enveloppe comme ceci, tout simplement c'est que ça vient de moi. Et encore une fois, il y a juste Shinobu Pulip en qui je vais lui donner en main propre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors je vais commencer par Miku de Shinobu Pulip. Alors comme je vous l'ai dit dans l'introduction de la vidéo, pour la base des visages, donc du dessin, j'utilise un modèle bien précis d'internet. Voilà, donc je me le permets parce que je ne suis pas une dessinatrice professionnelle, je fais ça parce que j'aime dessiner. Donc je trouve que en fait le modèle que j'ai choisi pour faire Miku, je l'adore, j'adore mon dessin, même si je m'aide. Enfin, même si au départ je veux dire je décalque par-dessus mon ordinateur, même si je décalque au début, je veux dire 99% du dessin il est fait par moi quoi, c'est pas que du décalcage, même si c'est pas français je le dis. Voilà, donc j'espère que le dessin va plaire à Eva, donc c'est son prénom, et franchement je l'adore. Je sais pas ce qu'elle va en penser une fois qu'elle l'aura vu en vrai, mais du coup dites-moi votre avis, pardon, en commentaire du dessin que j'ai fait de Miku, voilà, que moi personnellement j'adore, même au niveau du coloriage, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Du coup voilà pour ce dessin. Second dessin, je suis en train de faire Dexter de Emma Chandles. Donc voilà, encore un autre modèle que j'ai décalqué par-dessus l'écran de mon ordinateur. Mais encore une fois, même si je décalque, il faut savoir que plus de 99% de mes dessins sont faits par moi sans décalquer. Voilà, enfin c'est juste pour le début, pour m'aider, pour que ça soit un minimum beau. Voilà, j'ai pas non plus un niveau faible ou très moche en dessin, mais ça n'empêche que je m'aide au départ. Donc du coup voilà, je vous laisse avec la suite du dessin. Et dites-moi aussi en commentaire lequel vous préférez le plus au niveau du dessin, colorié y compris. Troisième dessin, je suis en train de faire Isis, une FC de Nendols, qui a Pulip Sweet Dream. Pulip Sweet Dream, non mais il faut vraiment que j'articule, je parle tellement vite, c'est très chiant. Donc voilà,
un autre modèle de dessin, dessiné différemment. Pareil, toujours dites-moi quel est votre dessin préféré que j'ai fait et si celui-ci vous plaît. Donc je vous laisse avec la suite du dessin, puis du coloriage. Si j'ai filmé, je ne me rappelle plus. Du coup, voilà, il y a des moments où je ne vous ai pas montré quand je colorie. Je l'ai fait hors caméra parce que, en fait, je filmais, j'avais plus de batterie, je rechargeais, je filmais, j'avais plus de batterie, je filmais. Donc, du coup, voilà. Prochain dessin, il s'agit de Hailey, donc de Flag Doll, sa prunella. Alors, à la base, normalement, le modèle, c'est un modèle sur d'une métisse. Donc, ça se voit que les traits du visage ne sont pas d'une personne blanche, mais d'une personne métisse. Donc, bon, mais c'est pas grave, ça n'empêche que j'adore le rendu du dessin. Donc, pareil, dites-moi votre avis. Enfin, dernier dessin, il s'agit de Elena de Nina So Cute. Voilà, alors je trouve que le dessin, je l'ai très 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 mal dessiné au niveau du visage. Je n'aime pas du tout, surtout au niveau des yeux. Mais je trouve qu'au niveau du corps, j'ai bien fait. Donc dites-moi, mais c'est vrai que je ne suis pas très fière de ce dessin. En espérant que quand même un minimum, elle l'aime bien. Donc bon, on verra. J'espère que Nina, tu vas l'aimer. Et du coup, voilà pour ce dernier dessin. Est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura d'autres vidéos de ce genre auxquelles je vais dessiner 5 tulipes différentes de 5 personnes différentes. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Salut!